Salut tout le monde, aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va se faire un petit back opening, deux petites attaques. Après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti. Bon, on va pas se le cacher, on commence plutôt bien la semaine là, hein. Bon petit pack opening, après on fera les deux petites attaques. Juste avant on fera une petite amélioration, je vous en dis pas plus. Voilà, hein. Bon allez, moi je vous dis qu'on va ouvrir un bon coffre gratuit, ça sera déjà bien. Et puis après, bah le reste ça sera pour un autre pack opening. Bah attends, on fait petit à petit. Non, je déconne, hein. T'imagines le mec qui fait ça, par, il fait je sais pas combien de pack opening, il ouvre qu'un coffre à chaque fois. Enfin bon, oui, donc du coup 65 d'or, ça fait plaisir. 3 mousquetaires, ça je m'en bats les steaks. 8 flèches, ça c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour le deuxième coffre gratuit. Attention, 63 d'or, c'est un petit peu moins, mais c'est vraiment pas mal. De toute façon, on a assez. Ah, on a assez pour améliorer. Alors, cabane de barbare, ça fait moyennement plaisir, hein. Ça reste quand même cool, hein, mais ça, voilà, bon, hein. J'aime pas l'utiliser parce que j'y arrive pas. Voilà. Donc, du coup, 8 bombardiers, ça reste comme une troupe non négociable. Ça reste la meilleure troupe qualité-prix du jeu. Ah non, mais moi, j'ai envie de te dire, ça reste la meilleure troupe qualité-prix du jeu. Non, mais attends. Non, peut-être pas à ce point-là, mais ça reste quand même une troupe assez assez what the fuck, quoi. Voilà, en attendant, on a 3 petits coffres en or à ouvrir. Et franchement, 3 petits coffres. Et je me suis battu pour les avoir, ces coffres en or. Et j'ai réussi à les avoir. Ça, c'est bon, ça. Allez, c'est parti pour le premier coffre en or. Qu'est-ce que ça donne? 195 d'or. Oh là 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 là. Petit bisou. C'est pas 200, mais c'est 195. C'est déjà bien. Alors, un chevalier. 2 esprits de feu. 3 boules de feu. Et 23 barbares. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, les esprits de feu, bon, ça va. Ouais, bon, c'est entre guillemets, hein, mais disons que ça passe. La boule de feu, ça va. Les barbares aussi, ça va. Mais tu vois, tous ces trucs-là, j'utilise pas forcément en ce moment. Donc, ça m'intéresse pas plus que ça. 175 d'or. Ça, c'est... C'est moins bien, mais c'est cool, c'est cool. 6 bombardiers. Ça va, ça reste, comme je vous l'ai dit juste avant, une troupe quand même assez fiable. 6 canons, bah, comme d'hab, hein, ça reste un bâtiment défensif. Et je n'aime pas. 14 chevaliers. Chevaliers, c'est vrai que c'est un peu, tu vois, la première troupe que tu utilises dans le jeu, quoi. C'est la base de la base. Mais bon, il y a un moment où ça devient quand même un petit peu ridicule. Voilà, donc tour à bombe. Ça reste un bâtiment défensif, encore une fois, je n'utilise pas trop. Mais ça reste quand même quelque chose de plutôt pas mal. C'est vrai que la tour à bombe, j'en ai rencontré pas mal. Et t'inquiète que... Oh, pile 21 000 quoi. Ah non mais ça c'est beau ça. Ah, non mais quelqu'un de millionnaire à côté, c'est nul. Ça c'est beau ça. Oh, 202 d'or, on a dépassé le cap des 200... le palier des 200. Et ça c'est pas mal. Attention, 7 canons. Ça va. Ça va, ça reste un bâtiment défensif. Oui, donc je disais par rapport à la tour à bombe, c'est vrai que je me suis fait pas mal exploser avec la tour à bombe. On va pas se cacher quand j'avais masse de troupes, là le mec il pose une tour à bombe, bam bam, hop c'est fini. Quoi? Tu dis waouh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, 8 électrocutions, ça fait plaisir. 11 esprits de feu. Qu'est-ce que je dis électrocution moi? Mais non, électrocution, ça a été nerfé il y a pas longtemps là. Non, il est devenu nul de toute façon. Non, mais c'est même plus une carte l'électrocution, c'est ça. Moi ça me quand je vois électrocution, je me dis mais c'est quoi ça? C'est une carte ça? Est-ce que c'est une carte? Non, franchement, non, c'est une décoration. Moi je le mets en poster dans ma chambre à la limite, mais c'est le grand max. Alors, esprit de feu, ça reste quand même une bonne troupe hein, des fois, on va pas se cacher, tu mets une horde de gargouilles, elles se font détruire en zone chrono. J'avoue que ça te fout un peu les boules, tu vois. Surtout avec juste un petit esprit de feu à 2 points de... Enfin, ouais, 2 points d'élixir. T'as envie de te dire, oh, y a une juste valeur, enfin, il y a une justice dans le jeu ou ça se passe comment? Bon, 3 fournaises. Bon, c'est pareil, hein, ça reste bien, mais bon, voilà, c'est quand même des bâtiments défensifs que je n'arrive pas à utiliser, voilà. Donc, coffre à couronne. Normalement, ça devrait le faire. Attention, 431 d'or. Ça reste toujours aussi bon quand même, 431 d'or. Bon, 2 gemmes, ça se fait plaisir. 10 esprits de feu, on commence petit. 41 squelettes, ça c'est de la balle. Bon, les squelettes, hein, j'utilise plus. Hein, mais ça reste quand même une troupe que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai beaucoup appréciée. Alors, c'est d'ailleurs la première troupe que j'ai améliorée niveau 9. En commune, hein, en commune. Bah, d'un côté, j'ai pas amélioré plus de cartes que ça en commune. Enfin, niveau 9, tu vois, enfin, comment te dire. Il n'y a que les communes que j'aimerais niveau 9, voilà. Donc, mini PK,
x6, bon, c'est intéressant, mais la Valkyrie, par exemple, ça aurait été mieux. Ou la méga gargouille, pourquoi pas. Et une petite sorcière au KLM, comme ça. Rien, enfin, l'air de rien, posé, comme ça, au KLM. Voilà, nickel. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Voilà, donc le petit coffre à couronne qui reste derrière, d'ailleurs, qui est déjà rempli de deux couronnes, on se demande pourquoi. J'ai été gourmand, je suis allé chercher un petit peu plus. Donc du coup, voilà, on va avoir le coffre à couronne après les combats. Et puis, juste avant, on va quand même faire encore deux choses. On va ouvrir le coffre, oh là 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 là, 1352, c'est énorme. On est presque à 23 000, vous imaginez? C'est génial, j'adore voir ces chiffres-là. Petit bisou. Donc, oui, on va ouvrir le coffre géant. Et après, on va faire quoi? Après, on va améliorer une troupe, les gars. Et c'est pas n'importe quelle troupe, vous allez voir. Ah ouais, non. Oh là là, un petit mini PK. Au KLM, on vient de commencer. Un petit mini PK. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 23 boules de feu. J'aurais préféré, encore une fois, la méga gargouille. Ça aurait été vraiment pas mal. Ou même la Valkyrie, c'est dommage. Alors, la petite commune. 28. Ah, j'ai que 28 communes, là. Et je me suis fait arnaquer, dis donc. 208 flèches. Ça fait plaisir, on va pas se le cacher. Mais j'aurais préféré des hordes de gargouilles, par exemple. Mais les flèches, ça reste quand même quelque chose de pas mal. On va pas se le cacher. Les flèches, ça reste quand même appréciable d'améliorer les flèches, par exemple, niveau 10. Mais bon, je me dis que la princesse, les flèches, c'est quasi équivalent. C'est même peut-être mieux d'avoir la princesse. Si tu utilises bien, tu peux vraiment faire du taf. Je me dis, je vais remplacer les flèches par la princesse, quoi. Bon, je pense que vous avez capté, là, hein. Bah oui, on va l'améliorer niveau 11, mon petit. Ma première commune niveau 11, les archers, ça reste une source sûre, les archers, bon, on va se calmer, non, on va pas dire de gros mots, parce que sinon, après, c'est pas bien. Mais pourquoi c'est pas bien? Bah parce que c'est pas bien, donc c'est le temps. Est-ce que je t'insulte, moi? Non, mais ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Au début, j'en disais, oh, mais franchement, tu regardes mes premières vidéos, tu pètes un câble, tu pètes un câble. Bon, en attendant, moi personnellement je m'en fous, hein, mais c'est pour les autres quoi, voilà, les autres, ils ont pas le même esprit que moi quoi, les autres, tu dis des gros mots, enfin, j'allais voir qu'est-ce qui était écrit, mais on s'en fout un peu, pour l'instant, bon, tu dis gros mots, enfin c'est que des mots quoi, j'ai envie de te dire, je te dis bonjour, tu vas pas râler quoi, eh bonjour, quoi, tu m'as dit bonjour, vas-y, viens là, viens te battre, enfin bon, tu vois, c'est un peu ironique ces trucs quoi, enfin c'est juste des mots quoi, mais bon, qu'est-ce que je te dis, moi les gens, ils trouvent de l'importance pour tout et n'importe quoi, enfin bon, c'est... Allez, c'est tombé, on change de sujet, je dis n'importe quoi. Alors du coup, niveau 11 les gars, niveau 11, 20 000 d'or, c'est énorme, 20 000, t'imagines? C'est tout mon porte-monnaie presque, regardez, 22 000, j'ai que 22 000 sur moi. Et bon, 20 000 comme ça, oh là là là. En attendant, j'espère que ça va valoir le coup. On va voir un petit peu les... Oh là là là, plus 29 de points de vie, ce qui est relativement pas mal, en espérant qu'elle résiste aux flèches. Ah mais non, elle résiste déjà, je suis bête moi. Ah oui, elle résiste déjà, mais j'ai rien dit. 7 dégâts par seconde, oh là là, ça c'est énorme. Ça aurait pu faire 8 quand même, hein. 79, tu vois, presque 80, ça aurait pu faire 8 dégâts en plus, mais bon, c'est pas très grave. Et 9 dégâts par coup, franchement, en plus, x2, parce qu'elles sont 2, et ça, c'est bon, ça. Oh là là, on va se faire mes plaisirs de ouf. 600 XP, bah dis donc, ça nous en donne de l'XP, hein. Allez, c'est parti, on améliore. Oh là là, 2000 cartes, c'est impossible d'aller à 2000 cartes, c'est énorme, c'est... Il reste plus que 2 niveaux et elles sont maxées, hein. 2 niveaux et elles sont maxées. Oh là 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 là. Alors, 320, ouais, donc ouais, c'est énorme, quoi. 300 points de vie, 86 dégâts par seconde, ça, c'est bon, ça. Et 104 par tir, bien entendu, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attention. Enfin, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne pour l'améliorer au niveau 12, voilà. Donc, on regarde. Je crois que c'est 100 000 or, je crois. Ah, 50 000, c'est tout? Franchement, Supercell, vous m'étonnez. Pour une fois que vous mettez les choses bien... Bon, enfin, entre guillemets, hein, ça reste quand même beaucoup. On va pas se le cacher. 50 000, ça reste beaucoup. Mais malgré tout... Non, moi, je dis bravo. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre à 100 000. Et puis l'autre à 2 ou 300 000. Non, franchement, bien. Voilà, donc du coup, bah... Bon, ça sera pas demain la veille, hein, qu'on va améliorer les archers niveau 12. Mais malgré tout, on les a améliorés niveau 11. Et ça, grâce à toutes les personnes qui sont dans le clan et qui donnent un max. Voilà, donc toutes ces personnes-là qui donnent un max et tout. Et c'est grâce à ces personnes-là qui donnent des archers que j'ai pu les améliorer niveau 11. Niveau 11, c'est énorme. Et je fais durer la vidéo 10 ans juste pour vous embêter. Parce que moi, après, elle dure 20 minutes. Moi, ça m'énerve parce qu'elle dure trop longtemps. Et du coup, je suis obligé de couper certains moments. Et du coup, c'est... Non, vraiment. Voilà, donc du coup...
Et donc du coup bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc bah voilà, moi je vais vous dire tout de suite, pour tester un petit peu ces archers niveau 11, on va pas se cacher hein, c'est un peu primordial là sur le coup là, on va tester de ouf. Parce que ça reste quand même, ça reste une troupe quand même que j'ai vraiment apprécié quoi. C'est... Oh bon allez, je regrette même de pas l'avoir utilisé plus tôt quoi. Bon en attendant moi je vous dis à tout de suite pour deux attaques, c'est parti. Allez c'est parti, on est contre Yixun qui est niveau 9 les gars, niveau 9, c'est énorme. Vous imaginez, moi je suis que niveau 9 moi, et le mec il est niveau 9. C'est pareil, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Alors les archers niveau 10 qui vont tanker. Ah ça les one shot malheureusement. On sait jamais, c'est des fois en mode peut-être qu'on sait jamais, ça pourrait fonctionner. On sait pas, on sait pas. C'est avec un petit peu de chance et tout. Non mais je rêve, bien entendu. Tu penses bien, hein. Un coup de speed de l'autre là, comment il s'appelle là. Un coup de speed. Ah, comment il s'appelle. Attends, je vais te le dire, 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 deux secondes. Ah, le prince ténébreux, voilà. Non, je passe. Putain. Le prince, tout simplement, le prince. Eh ben, un coup du prince. Alors toi, tu sais pas viser, toi. Hein. Alors toi, tu vas te faire défoncer, mon gars. En plus, je t'envoie une petite horde de gargouilles, tu vas avoir mal, hein. J'espère que t'as pas une boule de feu, je sais pas quoi, là. Nickel, il envoie une vieille... Oh là là là, t'as vu, il nous a pris dès le début, là. Hein. Mais nous, on s'est dit... Non, ça va pas se passer comme ça, mon petit. Non, 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 non. Et donc, du coup, eh ben, regarde ce qui se passe. Et voilà, on s'est rebellé. Et voilà ce qui se passe. Il a voulu jouer dès le début en mode... En mode grand malade et tout. Et bah ça a pas fonctionné. Bon allez là on va tester les petites archers niveau 11. Oh là 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 là. On va les tester, on va voir ce que ça donne. On va voir ça là dessus. Hop voilà. Oh là là, on va voir un petit peu sur Oh là là mais regardez moi un petit peu quand même. Elles font quand même un petit peu de dégâts. Ce qui est vraiment pas mal. On va voir si elles... Bah non elles résistent pas, je suis bête. On sait jamais, des fois elles résistent un petit peu. On sait jamais. Non ouais non elles résistent pas. Mais bon malgré tout ça reste quand même une source Oh là 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 là. Mais tu sais pas viser mon gars. Qui riez-vous. Enfin bon. On va quand même essayer de pas trop lui attaquer maintenant la tour. Pour tester un petit peu quand même cette fameuse archer. Alors du coup ce qu'on va faire, on va peut-être envoyer du sorcier de glace. Et là on va envoyer les petites archers là. Oh là là niveau 11 les gars. Les archers niveau 11. Oh là là regardez-moi ça. Ça fait le taf, ça fait le taf. Et ça c'est bon ça. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là là. Tu potes que la 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 la. Oh là là là. La 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 la. Oh là là là. On l'a défoncé en 2 secondes chrono. Il s'est fait niquer. Ça c'est mon péré. Wow, ça c'est bon ça. Ça? Tu vois ça? Ouais, j'ai dit un peu n'importe quoi, oui. Bon, effectivement. Parce que je trouvais pas les mots, donc il fallait que je dise quelque chose. Donc. Que ça rime, donc voilà, bon, bon, on va discuter plus longtemps là-dessus, bon, ouais, j'arrête, parce que, il y a des fois, je te dis, je suis un peu trop loin, bon, donc on est déjà avec Yixun, qui est comme un beau personnage, hein, je l'aime beaucoup, franchement, là, il n'y a rien à dire, hein. On l'a quand même un peu exposé, les archers, oh, franchement, les archers, ça se voit pas forcément, tu vois, étant donné que, bon, les archers, voilà, tu peux pas voir comme ça ce que ça donne, tu vois, c'est niveau 11, c'est tout. T'as pas à chercher à comprendre. C'est niveau 11. Voilà. C'est tout ce que t'as à savoir. C'est niveau 11. Voilà. Ça impressionne la personne, au moins. Tu vois, la personne, elle fait... Oh, des archers niveau 11. Mais c'est un grand malade, le mec. C'est un grand malade. C'est un grand malade, le mec. Tu parais combien il y aura ça en titre. Non, enfin, quoique. Allez, on est chaud, mais... c'est quoi que je disais, déjà. C'est un grand malade, le mec. C'est un grand malade. Tu te demandes après pourquoi il y a des titres comme ça. Mais je sais jamais quoi mettre, mon gars. Je sais pas pourquoi je sens que je vais mettre ça. Ah, on est chaud des fois. Ah, je sais pas, après si je trouve mieux, je mettrai mieux. Mais bon, en attendant, franchement, on a plutôt testé les archers, entre guillemets, on va dire. On va essayer de me les tester sur la deuxième attaque. C'est parti. Et c'est parti, on est contre Z Daumson, qui est niveau 9, bien entendu. Bon alors du coup, petit sourire, petite bonne chance. Et là, on lui envoie juste pour l'embêter, le petit molosse de lave, niveau 2, les gars. Niveau 2. 2. 2. T'as vu, regarde, je t'avais dit que ça allait l'embêter. Je t'avais dit que ça allait l'embêter, le mec. Forcément, ça allait l'embêter. Le mec, il est vénère, là. Il est vénère, il est devant son écran. Ils font, oh, mais toi... Toi, mon gars, tu vas souffrir, mon gars. Bon, regardons les archers travailler. Oh là là, regardez-moi ça.
Oh là là, regardez-moi ça. Mais c'est un truc de malade mental, mon gars. Regardez-moi ça, oui. Oh là là, regardez-moi ça, comment elles ont résisté aux bombardiers et tout, là. Regardez-moi ça, comment je tue tout ce qu'il y a, je tue, mon gars. Mais ouais, bien joué, je suis un grand malade, mon gars. Merci beaucoup, franchement, oh là là là, mais... Oh, mais... Je sais pas si c'est les archers qui me font être si bon dans le jeu, mais là, c'est chaud quand même. Hein. Ah ouais, non mais bon, regardez-moi ça, il a même pas touché la tour encore, c'est... Ah, c'est génial. Des fois, il y en a, ils ont du mal à défendre avec le molosse de lave, on va pas se le cacher. Il y en a, des fois, ils y arrivent quand même, parce que ça, c'est pas très compliqué quand t'as compris le concept, et que t'as les bonnes troupes, bien entendu. Parce que si t'as des troupes qui faut pas du tout, bah ça fonctionnera pas. Mais si t'as les bonnes troupes, t'inquiète que tu pourras faire quelque chose, quoi. Tu pourras défendre assez simplement. Donc, on va pas trop attaquer. On va tenter, juste comme ça, de mettre une petite Valkyrie. Petite Valkyrie. Comme ça. Allez, tourne sur toi-même, là, comme ça. Ah, c'est bon, ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. On se fait plaisir. On va aller juste là. Et là, on va envoyer petites archers. Ou sorciers de glace. Archers, Allez, les archers. On est chaud, les archers, là. Comme ça, les archers. Hop là. Regardez-moi ça. En plus, l'autre avec son bouclier, magnifique. Il fait du taf, il fait du taf. Et ça, c'est bon. Mais regardez. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est... Ah, c'est... Ouh. Ça, c'est bon, ça. Tu vois, c'est... C'est quand tu joues comme ça, tu vois, que tu te dis... T'as bien joué, tu vois. T'es vraiment... Le mec qui recopie pas du tout ce que dit la personne en face. Non, pas du tout. Donc, du coup... On... Oh, il a pris une tour, quand même. Il a pris une tour. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Franchement, non, il se met à son compte, tu vois, maintenant. Il prend les tours à lui, tu vois. Enfin, il se prend les tours lui-même et tout. Je suis plus obligé de le faire à sa place. Bon, en attendant, c'est vrai que bon, je suis en train d'être un petit peu en mode 12 heures là. On va pas se le cacher. Donc, on va tenter quand même, je sais pas, de mettre du Molozov. Molozov, tranquillou. Hop là, nickel. Nickel, regardez-moi ça. Voilà, on fait du taf, on fait du taf. Et là, on va lui prendre, bien sûr, la deuxième. Ouais, je sais pas si on va pas prendre la troisième, tiens. On va prendre la troisième, je pense. Ouais, tranquillou, on va prendre la troisième. Ce sera peut-être un peu mieux. Tranquillou, ouais, la troisième. Non, la troisième, s'il te plaît, la troisième. Défends un max, défends un max. Mais non, pourquoi t'as mis ça là? De toute façon, je vais te prendre ta tour, mon gars. T'as vraiment cru que t'allais gagner? T'as vraiment cru que t'allais gagner? T'as vraiment cru que t'allais gagner, mon petit? Hein, t'as vraiment cru que t'allais gagner? Bon, j'arrête. Non, je te dis, des fois, je pars trop loin. Bon, en attendant, mais qui tu me fais, toi? Allez hop, on va faire ça. On va mettre la petite horde de gargouille. Mais tu sais que j'ai les flèches, hein. Si j'ai envie là, je te détruis ta tour avec les flèches, mon gars. Ah, fais gaffe! Ah, mais me prends pas au jeu, hein. Je pourrais m'énerver. Regarde-moi ça, regarde. Si j'ai envie, là, je fais ça, regarde. Regarde, si j'ai envie, regarde. Je peux envoyer les flèches si j'ai envie. Hein? Hein? Donc fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. Ah, fais gaffe. Non, mais c'est vrai, je le menace, le mec, parce que, oh, s'il commence à tirer des boules de feu pour finir la tour, attention, hein. Je veux bien qu'il envoie du cochon, du géant, ce qu'il veut, mais pas la boule de feu. Arrête, arrête avec ta boule de feu. Ah, c'est pas possible, hein. Ouais, t'es fini, mon gars. Oh, mais comment t'as eu de la chance? Mais comment t'as eu de la chance? What? Bon, moi, je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne. T'es parti! Allez, c'est parti pour le petit coffre à couronne. On perd pas de temps, bien entendu, histoire de finir la vidéo assez rapidement. Parce que moi, j'aime pas trop quand les vidéos... J'aime pas trop... C'était quoi ce remballement de parole? Bon, j'aime pas trop les vidéos, c'est qui durent un petit peu trop longtemps. Genre, ça commence à durer 20 minutes, moi, j'aime pas trop, tu vois. J'aime pas. Parce que je me dis, ça dure trop longtemps. Tu peux pas rester attentif aussi longtemps sur la même personne. C'est pas possible, c'est... Déjà 15 minutes, je trouve que c'est énorme. Alors, 20 minutes, bon, 441 d'or, 3 gemmes, ça fait plaisir. Et 9 flèches, on va pas se... Non, non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. 9 flèches, 6 pierres tombales. Ouais, bon, les pierres tombales, hein, ça reste un bâtiment défensif. Ah, c'est chiant, ça. Bon, ça reste un bâtiment défensif, c'est pas énorme. Donc, 42 chevaliers. Moi, je dis... Non, je sais pas pourquoi, mais je dis. Je lis. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais, arrêtons. Oui, donc, je te le dis, hein. C'est sûr, à 100%, j'ai une épique. Et ben voilà, il y a un Arkix. Un Arkix. J'avais oublié celui-là. Non, mais ça faisait tellement longtemps. Je sais pas, j'étais content, tu vois, j'étais content. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer. Ah, je sais pas pourquoi. Un Arkix, quoi. Mais franchement, tu m'aurais passé à la limite un Arky grec. À
la limite. Ah là, bon, j'arrête. Un lance-pierre, tu vois. Ouais, un archi grec. Un lance-pierre, tu sais, les lance-pierres, c'est en Y. Donc, lance-pierre. Qu'est-ce que t'as... Imagine, t'as une petite troupe comme ça, avec son lance-pierre, et qui tire comme ça. Non, franchement, imagine le kiff un peu. T'es comme ça. Oh putain. Non, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Bon, quitte à faire de la merde, hein. Franchement, bon, j'ai dit un petit gros mot sur ma steak, hein. Mais quitte à faire n'importe quoi, hein. Franchement, quand tu vois la bûche, j'ai envie de te dire, un gars qui lance, qui est au lance-pierre, franchement, ça m'étonnerait pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Ok, d'accord, ok. Ok, non, ok. Oui, donc du coup, un personnage au lance-pierre comme ça. Tchou, pouf. Ah, franchement. Bon, allez, arrêtons de dire n'importe quoi. Moi, je vais rester sur ce, hein. Ah bah oui, hein, on a fait nos petits pack opening qui étaient quand même pas mal, on va pas se le cacher. On a fait notre attaque, non, c'est pas ça. Ah oui, nos deux attaques, voilà, nos deux attaques. Et le petit coffre à couronne, ça passe plutôt bien, hein, voilà. Et donc du coup, bah moi je vais rester sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.